Bah voilà, comme j'ai déjà fait les autres années, je voulais faire une autre vidéo pour célébrer un peu les 4 ans d'activité de ma chaîne YouTube, donc c'est parti. Je vais surtout parler de mes projets, puis de mes envies sur ma chaîne, et puis en dehors de ma chaîne aussi. Je vais pas représenter mes nouveaux concepts hein, qui ont éclos sur la chaîne cette année, il y a eu La Note dans le Potage et puis Musicam Scribere. Musicam Scribere qui me tient vraiment à cœur, je kiffe vraiment faire cette série de vidéos. C'est donc les vidéos où j'explique la théorie musicale en repartant du début, donc vraiment c'est un truc qu'il faut suivre depuis l'épisode 1. Je mets la playlist ici si ça vous intéresse, c'est vraiment à la cool, c'est des vidéos de 3 minutes, donc du coup ça me permet de faire des trucs rapidement en fait, je peux les préparer en avance et comme ça ça me fait du stock on va dire, et donc c'est bien, c'est un contenu que j'aime produire, qui est facile à produire et qui permet d'alimenter la chaîne avec un concept qui me plaît beaucoup. Bon évidemment Partoche existe encore et j'en suis très content, il y a des épisodes qui vont continuer à venir, là il y en a 3 en préparation actuellement, donc voilà. Du coup parlons de Partoche, donc il y a un truc que j'aimerais vous dire, je sais pas si je l'ai déjà dit dans une autre vidéo mais en tout cas c'est pas grave, je vais le faire maintenant. Vous vous rappelez sûrement de l'épisode spécial sur Le Seigneur des Anneaux qui était en 5 parties, normalement vous vous en rappelez parce qu'il y a tout le temps des gens qui me disent que c'est l'épisode qu'ils préfèrent hein, sur ma chaîne, donc ça fait grave plaisir. Et bah figurez-vous que je vais en refaire d'autres, j'en ai prévu 2 déjà, d'ailleurs j'en ai déjà commencé 2. Harry Potter, la saga complète avec les musiques de John Williams et des autres compositeurs de la saga, ça va être trop bien, je me suis replongé dans Harry Potter il n'y a pas longtemps parce que j'ai découvert les romans. Les romans m'ont donné envie vraiment de repartir, de revoir les films et puis de repartir sur une étude de la musique et bah ouais, je pense que ça va être super intéressant, donc ça va être un gros épisode encore une fois, en plusieurs parties, je sais pas comment je les découperai évidemment. Et puis bah je pense que ça sortira pour célébrer les 50 000 abonnés de la chaîne, donc vous avez clairement le temps, on n'est pas encore à 30 000 donc voilà, faudra attendre plusieurs années mais ça va être... Ça va être un beau petit projet à long terme. Voilà, la saga complète de Harry Potter en partoche. J'espère que ça vous hype autant que moi, parce que moi je suis plutôt assez à fond dessus. Et, parce que j'aime beaucoup les projets à long terme, très long terme même, je vais faire la même chose, mais ça je crois que c'est sûr que je l'avais déjà dit, pour la saga Star Wars, je vais faire l'analyse complète, non évidemment, mais bon voilà, je vais étudier un peu la musique de Star Wars et essayer d'en dégager des trucs cool à dire, essayer de déterminer tous les thèmes qu'il y a dans la saga et les expliquer un petit peu. Enfin voilà, il y aura du boulot sur Star Wars, ça va être encore plus gros je pense que Harry Potter, et vu que je veux faire un truc le plus complet possible, je vais attendre la sortie de tous les films Star Wars qui sont en train de popper là chaque année. Je vais pas faire les spin-offs, hein, je vais pas faire les spin-offs parce que c'est pas John Williams donc on s'en fout, c'est cruel de dire ça mais bon. Donc évidemment ça nous emmène à 2000 je sais pas combien, puisque l'épisode 9 il est prévu pour dans 4-5 ans, je sais pas, un truc comme ça. Mais une fois qu'il sortira, la partoche sortira, enfin non, parce qu'en fait à la base je voulais célébrer les 100 000 abonnés avec cette partoche là, parce que c'est quand même un truc, Star Wars c'est une de mes BO préférées, donc faut que ça marque le coup de quelque chose, donc les 100 000 je trouve que c'est pas mal. Et c'est drôle parce que je me projette à mort, parce que les 100 000 abonnés ça m'étonnerait que je les atteigne un jour. Donc c'est un petit peu un projet comme ça flou. Je me dis voilà, pour les 100 000 abonnés, ça serait bien faire un partage spécial sur Star Wars. Donc on verra, hein, on verra comment ça se passe, quand est-ce que je la sortirai. De toute façon, je la sortirai dans tous les cas, même si on n'approche pas du tout les 100 000. Mais en tout cas, il faudrait être patient. Hein, donc c'est pour ça que ça me fait rire d'annoncer ça maintenant. Il y a d'autres vidéastes qui seraient hyper frileux de dire « Dans 2 semaines, je sors une vidéo, mais je sais pas en fait. » Non, moi je vous dis, dans 10 ans, il y aura peut-être une vidéo sur Star Wars. Voilà. Star Wars, ouais, ça se prononce comme ça, dans le sud du Michigan. Ouais. Parce que la musique, j'adore ça. Bon, allez, je vais aussi profiter de cette vidéo pour remercier toutes les personnes qui participent financièrement à la chaîne, tout simplement, à me permettre d'avoir, d'accumuler un petit tas d'argent qui me permet d'acheter des choses pour la chaîne et pour mes musiques à venir, enfin pour mon projet musical, je reparle juste après. Donc en tout cas, à tous ceux qui ont participé, qui comptent participer ou qui n'ont pas participé, mais qui trouvent que c'est cool. Je sais pas, bref, bah merci, franchement, vous êtes géniaux, honnêtement, vous êtes géniaux. D'ailleurs, à ce propos, ceux qui sont concernés, donc les tipeurs, les fameux tipeurs, ont dû remarquer, mais je le dis quand même, que les contreparties ont changé il y a quelques mois. Bon, avant, c'était des contreparties qui dépendaient de la somme que vous mettez, maintenant, ça me gonfle, donc en fait, j'ai fait une seule contrepartie unique pour tous ceux qui participent à hauteur d'un euro. Tous ceux qui donnent, peu importe le montant, ils ont accès à... En fait, c'est des contreparties un peu spéciales, un peu mystère, je sais pas. Quand je décide d'envoyer des trucs, bah, j'envoie des trucs comme des scripts, des musiques en MP3, des vidéos en avance, évidemment, avec le fil d'actualité, ça peut arriver. Donc voilà, c'est un peu le suspense. Parce que j'estime que si vous participez, c'est pas pour avoir des contreparties, en fait. Mais c'est toujours cool d'en avoir, donc je trouve que voilà, l'idée est bien. Dites-moi d'ailleurs, je sais pas, vous trouvez ça cool ou pas? Moi, je trouve ça cool. Merci beaucoup aux tipeurs. Beaucoup, beaucoup. Voilà. Alors oui, parlons des projets. Les projets que j'ai ne sont pas uniquement sur YouTube, sur ma chaîne. C'est aussi des projets de composition. Je l'avais déjà dit il y a un bout de temps maintenant. Je suis à la recherche de projets
auxquels participer, donc des projets audiovisuels comme des jeux vidéo, des films, des courts-métrages, des web-séries, des choses comme ça, pour scorer la musique, pour composer des musiques qui collent vraiment à l'univers du projet. J'ai déjà participé à 2-3 petites choses et c'était vraiment sympa, et je recherche d'autres choses, donc voilà, des courts-métrages, science-fiction, je sais pas, enfin, si vous avez un projet comme ça qui est semi-pro, amateur ou n'importe quoi, contactez-moi. J'ai un site internet où vous pouvez déjà voir un petit peu le projet et voir les compos que j'ai déjà fait, et puis vous pourrez me contacter dessus. Ça s'appelle clementbarouin.com, c'est plutôt assez stylé d'avoir un site internet à son nom. Putain. Ça me ferait plaisir de participer à d'autres projets, donc vraiment n'hésitez pas, je suis à la recherche de ça évidemment, puisque mon objectif c'est d'avoir cette activité professionnelle là en plus de mon activité actuelle. Bon, donc j'ai remercié les gens de Tipeee, mais je remercie aussi tous ceux qui regardent cette vidéo actuellement et ceux qui ne la verront pas, mais c'est pas grave, du coup ils auront pas le remerciement, mais c'est pas grave. Ceux qui regardent mes vidéos en général, ça me fait super plaisir. Ce qui me fait le plus plaisir en fait, c'est les commentaires que vous laissez sous les vidéos. J'adore avoir vos avis, vos retours, souvent ça me permet de d'améliorer des choses en fait, des trucs auxquels j'ai pas forcément pensé. Bon voilà, donc si vous regardez mais que vous ne commentez pas, sachez que je trouve ça triste, parce que moi j'attends vos commentaires, et pensez pas que je les lirai jamais, je les lis tous, donc dites-moi ce que vous en avez pensé, même si le truc c'est de la merde, moi je veux le savoir si je fais de la merde. Et voilà, donc sincèrement merci à tous d'être ici, merci de regarder mes vidéos et de les trouver cool. J'ai plus rien à dire, je pense que je vais m'arrêter là, et je vous fais plein de gros bisous, merci à tous, ciao. Et surtout, j'ai été invité à Vulgarisator cette année, donc je vais faire une conférence à l'ENS de Lyon le 26 novembre. J'ai choisi comme sujet les variations thématiques dans la musique de film, toutes les manières de faire varier un thème pour coller à telle ou telle ambiance. Donc si vous êtes dans le coin et que ça vous intéresse, n'hésitez surtout pas à prendre les billets, tous les liens sont dans la description, j'espère vous voir nombreux, je vous fais plein de gros bisous.